Donc, pour commencer, on conserve un cône croustillant de betterave marinée avec crème d'ail et haddock fumé, terrine de coups de canard et carottes. Pour terminer, de tulle, seigle et algues accompagnées de l'émulsion de lait ribot dans le pot. Je souhaite un bon appétit. J'embrasse votre dame, monsieur. Ça va bien, toi ? Eh, magnifique, je l'ai vu sur le marché, 3,9 kg. Putain, il est grand, il est un peu suivi dans ce machin. Eh, il est pas là pour rigoler. Hein. L'homard avec le petit craquant de daïcon, haricot vert et le bouillon qui accompagne. Et bien sûr, le beurre de chez Jean-Yves Bordier. Bon appétit à vous. Alors, le chef vous a préparé l'aspergeto. Donc, il n'y a pas du tout de riz, c'est uniquement de l'asperge. Vous avez petits légumes pour le côté croquant. Vous avez une asperge crue autour blanche. Le risotto est lié avec du lait de coco. Petite coque, émulsion de lait de coco. Petite sèche rouge poêlée au dernier moment. Et le craquant d'encre de sèche qui est avec du sarrasin. Et ça, c'est le jus de cuisson des coquillages et asperges surtout. Bonne continuation. Ravioles de foie gras, chips de carottes et vous avez des asperges coupées en crues, je sens fait. Et je rajoute aussi le bouillon de citronnelle thaï. On continue. L'agneau de chez Paul Renaud. Donc vous avez le foie, vous avez la côte, vous avez le gigot et ici la rouelle. Donc c'est l'épaule qui est décortiquée avec des abats. Le petit jus du déglaçage. Donc pour accompagner haricots verts, vous avez les petites asperges et la salade Mizuna. Voilà, bonne continuation. Alors messieurs, vous avez donc juste ici le cœur de Neuchâtel. Ici un Montbriac. Donc on sera sur un fromage de vache très crémeux. Ça va être légèrement persillé, mais c'est vraiment pas puissant, hein. C'est assez doux. Juste ici un Valençay, l'Ivaro, poursuivi avec le brin d'amour juste ici. Ici on est sur le filetta, donc un brebis corse qui est dans sa fougère. Ici l'étiva, celle sur chair, vous avez une époisse. Le langre juste ici de champagne, le munster accompagné donc de son cumin. Vous avez juste ici le berthaud cendré. On est sur l'idée d'une époisse mais c'est moins puissant, la cendre est venue ralentir l'affinage. Et juste ici un comté de 36 mois, la tomette de Savoie. Juste ici donc les crottins de chavignol, un bleu de chèvre. Le larin, donc une tome de brebis, le stilton, un bleu anglais, un vieux gouda de 48 mois d'affinage, camembert et pour terminer le moelleux du revard avec le chutney de pommes et vin rouge. Commencez de la gauche pour terminer par la droite. Le Montbriac, vous poursuivez avec le gouda de 48 mois d'affinage, le bleu de chèvre, le stilton bleu anglais pour terminer donc le livaro. Orange glacée, vous avez un poids d'épices. Il y a un petit peu de dragée. Une continuation à vous. La version 10 du crumble. Donc, fraises confites. Vous avez mousse de fenouil et sorbet rhubarbe. Parfait. Asperges, framboises. Et vous avez ici de la poudre d'asperges qui a été séchée, pulvérisée, pour s'en servir comme un assaisonnement. Bonne continuation à vous. Petite madeleine, tuile au café. Vous avez ici un macaron, carotte et fan de carotte. Dans la petite verrine tatao crumble et tartelette au citron.